Radha Nargeza est heureuse de vous présenter le nouveau tutoriel de cintrage avec la MC650. Commençons par les trois galets de chaque axe qui sont installés sans aucune séparation entre eux et maintenus au moyen d'un écrou de fixation. Cette disposition permet de cintrer le type de profilé le plus simple, un plat. Nous introduisons le matériau, nous le fixons et nous le cintrons. Maintenant, nous installons le galet le plus petit et le galet de taille moyenne, de manière à pouvoir facilement les adapter aux dimensions exactes du profilé en U que nous souhaitons cintrer. Cette disposition nous permettra de cintrer le profilé en U dans les deux sens. Nous utilisons le mode manuel pour positionner les galets. Si nous souhaitons faire un cercle complet, il est recommandé d'ajuster le plus possible la position initiale du profilé. Cela permettra d'éviter que la section non courbée à l'extrémité soit trop longue et ne vienne heurter les axes à la fermeture du cercle. Lors du cintrage des tubes ronds soudés, il est important de placer la soudure vers l'avant ou l'arrière, jamais vers le haut ou le bas, car cela peut fausser les dimensions du rayon de courbure. Maintenant, nous allons fabriquer une barrière de protection. Pour commencer, nous marquons les tubes à 800 mm de chaque extrémité. Ensuite, nous chargeons le programme de production de cette pièce. Pour ce faire, nous déplaçons le tube jusqu'à la marque et nous réalisons les cintrages correspondants sur les deux côtés. Le mode automatique de commande nous permet de réaliser une production en série de ces pièces. Pour produire une géométrie en spirale en passe continue, nous déplaçons le redresseur du matériau vers l'extérieur et nous desserrons l'écrou du galet de sortie pour faciliter le cintrage. Une fois la passe souhaitée réglée, nous serrons l'écrou. La machine est maintenant prête pour fabriquer un parking à vélo. Pour cintrer les profilés de grande dimension, nous devons placer les galets de manière à toujours effectuer le travail avec le matériau le plus près possible de l'intérieur de l'axe. Dans certains cas, notamment avec de grands profilés, nous pouvons lubrifier ou graisser le matériau pour faciliter le cintrage. Cette recommandation permet non seulement de réduire au minimum les efforts de la machine, mais aussi d'éviter de rayer le profilé. Pour fabriquer une barre d'essai, nous devons tout d'abord choisir le profilé. Nous renseignons ses dimensions, sections et épaisseurs. Nous sélectionnons un type de matériau parmi ceux figurant dans la liste. Nous configurons les galets de l'axe supérieur sur la position correcte, puis nous sélectionnons le point de contact du profilé avec le galet à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous répétons la même opération avec les galets des axes inférieurs. Nous vérifions si la bibliothèque contient des rayons. Nous sélectionnons le mode manuel, puis nous positionnons le galet de gauche sur la référence 21 et nous cintrons la première section de la barre d'essai jusqu'à voir la marque. Nous mesurons le rayon réel obtenu, 936 mm, et nous l'ajoutons à la base de données.
Maintenant, nous positionnons le galet de gauche sur la référence 20. Nous centrons, puis nous mesurons une nouvelle fois le rayon obtenu pour ensuite l'ajouter à la bibliothèque. 921,8 mm. Nous répétons la même opération pour toutes les autres sections précédemment marquées sur le profilé, en incrémentant chaque fois le galet de gauche d'une unité. Une fois ce processus terminé, nous disposons désormais d'informations très précieuses qui nous aideront à réaliser des pièces ultérieures avec une grande précision. Nous pouvons consulter cette bibliothèque de rayons à tout instant et l'amplifier. Nous allons réaliser un exemple. Fabriquer une table ovale avec un tube carré. Pour ce faire, nous renseignons les dimensions du profilé, 40 par 40. Son épaisseur, 3 mm, et le matériau, acier. Nous configurons les galets de l'axe supérieur et des axes inférieurs. Ensuite, nous vérifions les informations contenues dans la base de données. Dans cet exemple, nous souhaitons que les deux sections circulaires de la table aient un rayon de 450 mm. Nous recherchons ce rayon dans le tableau et nous pouvons voir la position sur laquelle nous devons placer les galets, référence 8 et 45,6. La première étape du programme consiste à abaisser les galets inférieurs jusqu'à la référence 140 afin de pouvoir retirer la pièce une fois fabriquée. Nous vérifions que sur ce point, le matériau sort facilement, puis nous enregistrons la position de déchargement de la première étape du programme. Nous plaçons les galets sur la position de chargement du matériau, dans ce cas, les références 50 et 50. Nous enregistrons cette deuxième étape du programme. La troisième étape, références 45 et 45, correspond à la position de pince. Sur cette position, le profilé est maintenu par les galets et nous pouvons le déplacer de gauche à droite sans le déformer. Nous l'enregistrons. L'icône d'information nous permet de voir les étapes réalisées jusqu'à présent. Avec le galet de gauche sur la référence 8, nous obtenons le rayon souhaité de 450 mm. Nous enregistrons l'étape 4. Nous replaçons les galets en position de pince. Étape 5. Nous plaçons le galet de droite sur la référence 8 pour procéder à la deuxième courbure. Nous enregistrons cette étape, puis nous ajoutons une autre étape avec la référence 45 pour centrer la pièce avant de la retirer de la machine. Nous donnons un nom au programme afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement. Nous allons maintenant fabriquer plusieurs tables. Pour ce faire, nous plaçons tous les tubes avec la soudure dans la même position afin d'éviter les variations de cintrage d'une pièce à l'autre. Nous marquons le point de départ de chaque courbure sur les deux extrémités. Nous lançons le programme en sélectionnant la deuxième étape, position de chargement. Nous introduisons le matériau. Nous sélectionnons la troisième étape, étape de pince, puis nous déplaçons le tube jusqu'à la première marque au moyen du joystick. Nous sélectionnons l'étape 4, puis nous réalisons la première courbure. «
Nous passons à l'étape 5 et nous déplaçons la pièce jusqu'à la marque suivante. Nous sélectionnons l'étape 6, puis nous réalisons la dernière courbure de la table. En réglant les galets de série, nous pouvons cintrer des tubes ronds pleins de 50 mm ou 2 pouces. Il convient de ne pas oublier de toujours desserrer les écrous d'un demi-tour après la mise en contact, et ce, avec tous les types de profilés. Comme nous pouvons le voir, après le cintrage, les galets ont rayé le tube sur l'intérieur et l'extérieur. Pour éviter ces rayures, nous devons utiliser les galets utilisés pour le cintrage des tubes ronds. Un autre avantage de ces galets est qu'ils permettent d'obtenir des rayons beaucoup plus petits. Nous allons reproduire cette spirale réalisée avec un tube de 20 mm et un rayon extérieur de 130 mm. Pour ce faire, nous ouvrons le répertoire des programmes et nous sélectionnons celui que nous souhaitons, déjà créé précédemment. Nous le chargeons, puis nous activons la machine pour commencer à travailler. C'est l'un des nombreux avantages qu'offre le nouvel assistant de cintrage, Nargesa. Une fois ces trois spirales identiques terminées, nous vérifions la précision et la répétitivité de la cintreuse MC650. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est important de toujours placer la soudure dans la même position afin d'éviter les possibles variations du diamètre final. Nous créons une nouvelle barre d'essai avec un profilé en U de 80 par 40 par 4. Nous marquons la barre tous les 500 mm. Nous choisissons le profilé en tenant compte du sens de courbure correct, puis nous renseignons ses dimensions, hauteur, largeur et épaisseur. Nous sélectionnons le type de matériau avec lequel nous souhaitons travailler, aluminium. Nous vérifions si nous avons déjà réalisé un cintrage avec ce type de profilé en accédant à la base de données des rayons. Pour commencer, nous plaçons le galet de gauche sur la position de référence 64. Nous cintrons la première section à l'aide du joystick. Nous mesurons le rayon obtenu. Nous l'ajoutons à la base de données, puis nous répétons le processus en réduisant chaque fois le rayon un peu plus. Une fois tous les rayons enregistrés, nous disposons d'informations précieuses qui contribueront à nous faciliter la tâche lors de processus de cintrage ultérieurs. Nous allons maintenant créer un nouveau programme. Nous choisissons le profilé en U avec la direction de courbure que nous souhaitons. Nous renseignons ses dimensions et le type de matériau. Nous consultons les informations des positions de référence pour obtenir le rayon souhaité de 510 mm. Nous plaçons les galets sur la première étape, position de déchargement du matériau. Référence 120 et 120. Nous l'enregistrons. Nous plaçons les galets sur la position suivante, étape de chargement du matériau.
Nous l'enregistrons, puis nous recherchons la position de contact ou de pince du matériau. Nous enregistrons cette étape, puis nous plaçons le galet de gauche sur la position de référence 42. Et nous enregistrons une dernière fois pour compléter le programme. Nous donnons un nom à notre programme et la machine est maintenant prête pour travailler. Une fois la pièce terminée, nous vérifions que le rayon obtenu est correct, 510 mm. En plaçant les galets dans cette position, nous pouvons cintrer tous les types de plats sur champ, en millimètres et en pouces, du plus large au plus étroit. Nous allons maintenant cintrer une spirale avec un plat de 60 par 15 en réalisant une passe spécifique entre les cercles. Pour y parvenir, nous déplaçons le redresseur de sortie de manière à forcer le matériau à respecter cette distance. Pour cintrer les tubes en acier inoxydable, nous utilisons des galets de sustarin. Ainsi, nous évitons les risques de rayures et de contamination du profilé dû au contact entre les deux matériaux, inox et fer. Dans ce cas, nous travaillons en mode manuel pour réaliser une seule pièce. Voici un autre exemple. Si le rayon de courbure obtenu n'est pas exactement celui que nous souhaitions, le pupitre de commande nous permet de corriger la position de référence des galets de n'importe quelle étape du programme et d'enregistrer les modifications. De cette façon, la pièce obtenue aura toujours les dimensions requises. L'installation à l'horizontale permet de réaliser de grands rayons de courbure. Nous allons fabriquer la structure d'une serre avec un tube galvanisé de 2 pouces et d'un rayon de 1250 mm. Pour ce faire, nous sélectionnons l'étape 2 du programme, puis nous plaçons les galets sur la position de chargement. Nous introduisons le tube et nous procédons au cintrage. Comme nous pouvons le voir, le pupitre de commande de la machine peut facilement se déplacer pour plus de commodité lors du processus. Pour cintrer un tube rectangulaire ou sur champ, nous disposons les galets suivant la même configuration. Il suffit de les régler pour les adapter aux dimensions. Pour les tubes carrés, c'est la même chose. Nous adaptons les galets aux différentes dimensions.
Nous sélectionnons et chargeons un programme pour réaliser un cintrage en plusieurs passes. Le pupitre de commande permet de créer jusqu'à 1000 étapes par programme et de sauvegarder 10 000 programmes différents. Si le galet raille légèrement le tube, il suffit de desserrer l'écrou de fixation pour diminuer le frottement. Pour cintrer un carré plein, la disposition des galets est la même que pour un profilé creux. Pour mieux adapter les profilés plus petits, nous devons modifier la configuration des galets. Dans ce cas, nous remplaçons le galet de 40 par un galet de 65. N'oublions pas que lorsque nous travaillons avec des profilés de grande dimension, il est important de procéder au cintrage sur la section des axes la plus rapprochée de la machine. Cela permet d'éviter les efforts mécaniques excessifs. Si nous souhaitons obtenir des rayons plus petits sur les profilés de petite dimension, nous pouvons alors modifier la disposition des galets de l'axe supérieur de manière à ce que le matériau soit en contact avec la partie extérieure des galets. Ici, nous allons voir comment positionner les galets pour cintrer un profilé en T vers l'extérieur. Pour cintrer un profilé en T latéralement, nous disposons les galets de l'axe supérieur suivant la même configuration que les axes inférieurs. Maintenant, nous allons voir comment cintrer un profilé en T vers l'intérieur. Pour ce faire, nous devons disposer les galets inférieurs de manière à obtenir une surface plane. La disposition des galets pour cintrer un tube rond doit être identique sur les trois axes. «
Le cintrage d'une barre d'armature est très facile, car nous utilisons des galets pour tubes ronds. Dans ce cas, en raison des dimensions du matériau, nous utilisons des galets à deux rainures. Ne pas oublier que la disposition des galets sur tous les axes doit être identique. Nous allons cintrer une cornière avec un rayon de 450 mm. Nous sélectionnons le programme existant, nous consultons la configuration des galets de l'axe supérieur et des axes inférieurs. Sur la machine, nous les disposons comme il est indiqué, afin de nous assurer que la pièce obtenue sera toujours la même. Nous installons les galets porteurs pour la cornière. Pour éviter que le matériau ne heurte brusquement le redresseur, il est recommandé de couper l'aile supérieure de la cornière à l'onglet. Cette opération, seulement nécessaire sur les profilés de grande dimension, permet d'adoucir l'entrée du matériau. Il est important, pour obtenir de bons résultats, que le galet porteur soit toujours en contact avec l'aile supérieure de la cornière à cintrer. La fabrication de machines agricoles nécessite, dans de nombreux cas, de procéder au cintrage d'une cornière en plaçant l'angle vers l'extérieur. Pour cintrer des tubes en acier de petite dimension, Nalresa fabrique des galets en D7 trempés avec deux rainures pour deux dimensions différentes sur le même galet. Dans le cas des tubes de plus grande dimension, nous les usinons avec une seule rainure. Pour les matériaux plus délicats, tels que l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre ou l'aluminium, nous fabriquons le même type de galet, mais en sustarin, une thermoplastique haute résistance qui prévient les risques de rayures et de contamination dus au contact entre les différents matériaux. La machine est fournie avec trois épaisseurs, trois rondelles, trois écrous, trois galets avec une rainure extérieure, trois galets lisses avec emboîtement et trois galets avec deux rainures extérieures. En les combinant, nous pouvons cintrer tous les types de profilés que nous avons vus jusqu'à présent, à l'exception des tubes ronds. Pour ces derniers, les galets sont fournis séparément en raison des nombreuses dimensions qui existent. La machine est expédiée entièrement assemblée. Il suffit de brancher le pupitre de commande et d'actionner l'interrupteur pour commencer à travailler. L'assistant de cintrage permet de travailler en mode automatique ou en mode manuel. Il suffit d'appuyer sur le galet que nous souhaitons déplacer pour le sélectionner. En actionnant le joystick vers le haut ou vers le bas, nous le déplaçons verticalement. En actionnant le joystick vers la droite ou vers la gauche, nous pouvons faire tourner les galets dans les deux sens. Nous pouvons également positionner les galets avec une plus grande précision en appuyant sur la côte de référence, en renseignant la position de destination, puis en appuyant sur le bouton poussoir de mise en marche. Nous disposons d'une barre qui nous permet de régler la vitesse des galets, tant de rotation que de positionnement. Ce réglage peut se faire sans interrompre le mouvement en cours. La bibliothèque de profilés nous permet de choisir la géométrie et le sens de cintrage. Hauteur, largeur, épaisseur, matériaux. Nous pouvons également consulter la base de données des rayons, dans laquelle il est possible d'ajouter de nouvelles données et d'éditer et de supprimer les données contenues. Dans la bibliothèque de programmes, nous sélectionnons le programme souhaité. Pour le charger, il suffit d'appuyer sur l'icône « Charger ». Informations sur les étapes du programme. Étape 1, retrait de la pièce. Étape 2, position de chargement.
Étape 3, position de pince. Étape 4, cote de référence de cintrage. Alternance entre les modes d'édition et de production. Possibilité d'ajouter et de modifier les étapes. Supprimer des étapes. Supprimer des programmes. Créer de nouveaux programmes. Sélectionner un profilé. Choisir les dimensions d'un tube dans la bibliothèque en millimètres ou en pouces. Dans ce cas, 3 pouces américains. Épaisseur de paroi, 3 mm. Le port USB nous permet de connecter une clé USB. Nous renseignons le mot de passe, Nargeza, et nous pouvons importer et exporter des données entre un ordinateur et le pupitre de commande. Un autre des principaux avantages des cintreuses Nargeza réside dans la technologie 4.0 intégrée. Sous réserve que le client nous donne son autorisation, notre service technique pourra se connecter à distance pour procéder à la mise à jour du logiciel, détecter les éventuelles anomalies ou utiliser la machine sans avoir à se déplacer. Les avantages qu'offre la technologie 4.0 sont innombrables et rapprochent le client du fabricant. Écomode, avec la fonction Start-Stop pour réduire au maximum la consommation d'énergie électrique. Mouvement orbital des galets qui permet de tirer le meilleur profit du matériau et de réaliser des cintrages de rayons beaucoup plus petits avec des cintreuses pyramidales. 3 galets tracteurs qui garantissent une prise optimale, un travail rapide et une excellente finition. Possibilité de déplacer facilement la machine avec un transpalette. Alerte et notifications contextuelles, telles que l'alarme de graissage, qui nous rappelle l'importance d'avoir des engrenages bien graissés. Facilité d'accès à l'historique des alertes et notifications depuis l'écran de travail pour visualiser, consulter et acquitter les alarmes en cours. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez. Nous continuons d'avancer. Thank you.